Salut, là on a... Ok, là faut que je réussisse le stream. On a Badge contre Yuma. Là, je vais changer le layout. C'est bon, je l'ai trouvé. 0-0. Là, c'est pas finale des winners. C'est finale des losers. Hey! Hey, salut! Hey, salut! Damn! Patarnouche! Finale losers. Bon! On est all sets. Donc... C'est mieux, j'aime bien commenter avec toi. Parfait! Ma belle petite qualité. Ok, on va... Ok, bon. Ben, j'ai pris Dr. Mario, intéressant. J'ai jamais vu son Dr. Mario. Il a joué au Wonderland dans la finale contre Gumu. Ok. Mais d'abord, c'est Gumu qui a pris Dr. Mario. Non, non. Non. Allez, d'abord, c'est Lucas, c'est Vache que Lucas. Non, 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 non. Oh. C'est Yuma qui a... Ok, Yuma, Lucas, ouais. Vache, Dr. Mario, ok. Exactement. Ok, j'ai jamais vu le Dr. Mario à Vache. Ouais. Mais en effet, ils ont joué un set tantôt. Je pense que c'était dans les Winner's Side. Mm-hmm. Puis, c'était tellement close là. Ben, juste là, on peut le voir que c'est quand même assez close aussi. Ah, ouais. Là, il y a Lucas qui a un avantage. Un ouais. Peu un excellent lancement. Un beau. Ouais. En effet, ça. Ok, c'est pas de jeu grave. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas. C'est pas mal dans l'espace parce que Dr. Mario va essayer de camper le ledge pour essayer de faire un back-throw. Normalement, down throw à faire, c'est comme ça, mais j'imagine qu'il y a pas eu DI on point ou quelque chose comme ça. Ouais. Ce lancement de la part, il va le laisser se récupérer, oui. Ok. Bon, après, on est pas ok. Là, comme avec Falco, il charge des smash attaques. Mais quelqu'un de patient, ça fait pas trop. Ouais, les pilules de Dr. Mario sont bonnes pour ramener son stage parce que sont comme dures à éviter. Moi j'ai bien misé avec ça. Okay. On peut le voir aussi que Lucas il essaye de pas trop bouger pour pas se faire pogner. Ouais, ouais, ouais. Il a mieux le laisser retourner sur le stage. Ah, oh ouais. Ça c'était beau. Ah ouais, c'était close. Ouais, il a mieux le laisser retourner sur le stage que d'essayer de se pogner une pilule puis de se retrouver lui en dehors du stage. Ah, oh, ça c'était. Je pense qu'il pensait l'avoir pour le Diablo. Ouais. C'est en même temps de savoir. Ok, wow. Ça, ouais. Lucas qui prend le stock tout de suite, on retourne à... Alright, 0-0. Ouais, ça va. Match à un stock. Ah, ouais. C'est-tu un VI la part de Bash? Non, ça c'est un air. Ok. Puis ouais, c'est un VI. Ouais, c'est Bash, c'est VI, puis c'est pas ça. Ça screen, mais... Ouais, mais c'est dur de toutes les hits. Il jauge encore, ou il sache que c'est le dernier stock, fait qu'il essaye de pas trop, pas trop se commit. Ah, excellent oh. Combo de la part de balle. C'était magnifique. J'ai-tu vu un ton? Ouais, je pense que j'ai vu un ton. Je pense que j'ai vu un ton. Oh, ton type. Oh, excellent. Smash, il a bien read le smash de la part de Lucas. Ouais. Des fois, tu sais, pour des smash attacks, des fois ça marche. Ouais, Lucas, c'est pas Lucas, Dr. Mario ici a vraiment un bon avantage comparé à Lucas. Non, ça, ça marche. Il y a un read. Surtout à cet avantage-là, pas mal n'importe quoi. Dr. Mario, il frappe assez. Moi, je pense que. Assez fort, là. Je pense que si Lucas fait attention à ses landings, puis. Ah, non, c'est fini. Le smash de Dr. Mario, je pense qu'il y a plus de knockback que lui de Mario, mais il a quand même la tête d'un. Fait que là, dans le fond, je... des copains partout, mais Dr. Mario est beaucoup plus bien. L'Up Smash, ça? Non, l'Up Smash, c'est meilleur que Mario. Ouais, c'est ça. Puissance. Plus de knockback, hein. Ouais, et une boxe à la bande qui peut toucher Game & Watch. Ok. Non, je savais pas. Très belle information de la part de Badge. Ben, Badge, on sait qu'il connaît son personnage. Tous les personnages qu'il joue, il sait qu'il connaît tous les pourcentages, tous les combos qu'il peut faire à ces pourcentages-là. Un joueur très technique, ou moi un joueur qu'on voit pas beaucoup quand même dans les tournois, là, qui est un ami avec Goumou qui s'en. Ben, il est joué aux 2-3 derniers tournois, je crois, monsieur. Ouais, effectivement. Bon, ben, on revient sur le Dynasty City, il est allé. Son BDD. Je pense que sa performance avec Lucas l'a pas rendu assez. Ouais, c'est ça, effectivement, il va retourner avec son groupe. Selon moi, il a pas pris King Ghidorah au début. Parce qu'il savait qu'il allait trop se faire combo par Dr. Mario. Il s'est rendu compte que Lucas c'est pas mieux, faut qu'il va retourner avec son bon vieux main. Oh, il était déguisé en. Il était déguisé en. Game DDD, c'était vraiment un coup. Ah, ça marche pas. Oui, c'était incroyable. Oh, excellent dans le style. Mais les deux, j'avais King DDD, tu te fais taper trois fois, puis tu m'as. Oh, ok. Un SD, ben il y a pas de recovery, Dr. Mario. Fait que j'ai juste fallu le frapper un petit fois, puis trop loin du stage, puis recover. Ok, sérieux, honnêtement,
peux dire trois mots que ça m'aime. Le DDD, là. Il a cover trois options en même temps en faisant son gordo une attaque. Et une autre affaire, c'était magnifique. Salut tout le monde. Bye, Emile. Ok. Ok. Ça c'est tellement satisfaisant, MD. C'est un marteau là, le 4-4. Oui, il y a une meilleure que ça. Charles là. Non. Oh, je suis déçu. Je pense que s'il n'y avait pas été là. Alors là, j'ai peut-être décédé. Ah, oui. Ouais, écoutez. Oh, un blaz, ok, il va retourner en bas du stage. Il sait que son meilleur risque, c'est pas mal de le mettre en bas du stage. La pilule a quand même reverse le gorbeau. Ben, n'importe quoi, reverse le gorbeau, en fait. Même n'importe quel jab. Un ton. Oh, ça aurait pu être dangereux, la part de Dr. Mario, parce que... Ok, j'ai pas trop de s'approcher, on sait que sans la stress situation. Dr. Mario essaie de faire un peu avec des pneus. Wouah, il sent les grabs. Oh, il l'a envoyé vraiment. Ah ouais, le Yuma il est très bon pour avoir les grabs au bon moment. Ah non, c'est pas de polish, intéressant. Je pense que Bash a eu peur du. Ouais. On voit quand même qu'il est capable de leur faire. Ah ouais, Macaire a Mario qui sort plus rapidement que. Oh. Ah ouais, c'est un. Je sais pas si t'as un mauvais. Ouais. Merci Bash. Je vais toujours aller le faire. Oh, c'est 1 à 1 en effet. C'est un. On a Bash qui jongle avec la. C'est bizarre, oh, j'ai marqué 2. J'ai dû crocheter le nom. Je pique pas bon. Quoi? Ok, je pisse sur la flèche en haut. Je suis clairement bad. Je suis autant bad quand la tête est grave. C'était bien, genre. Ouais, caché. C'est correct. Là, la game a commencé. On a plus de. Oh, Violet Cruz. Ok, il reste avec les DD. Mais lui, il est retourné avec Falco. Ouais, ben, j'ai repris son mine sur le coup. On va peut-être donner quelques secondes. Je sais que Falco, la Loco, c'est un excellent stage pour lui. Je sais pas pourquoi. C'est bon ça. Je suis très technique là, mais je le sais que c'est bon pour lui. Je l'ai eu à quelque part, mais j'étais trop vache pour lire le reste par là. C'est vrai que ça fait du sens. Bon. Fait que, par contre, je vais dire la même chose que j'ai dit, Bash contre Gumi. C'est une grosse hitbox. Falco là, il peut faire des spins de 3 aériens. Oh, bien reviré. Sans problème. Effectivement, puis on le sait surtout que Bash est capable de l'amener beaucoup de screen avec son photo. Et ah ouais. Il a beaucoup bien mettre sur son niveau. Ouais, il est allé dans le lab. Ça va être un. Selon moi, ça va être un match de Don't Get Grab. Tu t'as grabé une fois, puis il fait pas mal de. Ah ben, Don't Get Forward Smash. Don't Get Forward Smash, oui, effectivement. Parce que c'est deux joueurs qui ont tendance à quand même faire pas mal de. Don't Get Hit. C'est qui déjà qui dit ça? C'était-tu ITE? Ben, j'ai vu ça dans Smash Documentary. Ouais, c'est ça. Le comment gagner à Smash Don't Get Hit. J'ai vu ça, il y avait ri de leur rôle, mais ça, le timing était un peu off. Excellent journal. Ouais. Ben, j'essaie de retourner sur le stage tranquillement. Ok, bon pour aider. Et ben, je vais revenir sur le stage. Puis, bon, moi qui le laisse aller. Oh, ah ouais. Bon, je sais pas si on a entendu ça sur le livre. Un onomatopée inattendu. Oh, excellent vainqueur de la part de KDDD. Ça reset le match, on est en last touch du match. Ouais, c'est très close. Mais là, le fait que DDD soit à 0%, c'est encore plus facile pour faire le coup de prendre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais. Oh! Un beau shielding, un beau grave d'abord. Matcha. Donc là, comme on a dit, Bash, tiens KDDD dans les airs, il lâche. 81%. Ouais, c'est bon. On voit que moi, souvent, il laisse remonter Falco parce qu'il sait qu'il peut le dominer au niveau du neutral game. Ouais, je pense que je suis d'accord. Il y a un bon range au niveau de sa massue. Il se tient sur le bord de main. Il fait juste lui envoyer quelques jabs. Il sait quand trop des moves. Il sait quand attendre, chever, picher, graver par exemple. Ouais, c'est très beau, c'est de la Ouais, le neutral game, animal, il est comme ça.
Bon downkill. C'est pas, je vais être capable de rebondir. Oui, il va être capable, il est parfait. Oh, bon grave. Est-ce que ça tue nos bons DI de la part de l'autre? Le double jump par contre, il est tellement gros. Oh, ça fait. Je pense que c'est le plus haut. Un des plus. Sérieux, c'est tellement close. Oh my god! Oh my god! Oh, the dance! Direct the dance! Hitbox! Hitbox dans l'arrière. Wow! Le DDD va faire remporter le set. Oh my god! Wow, c'est lancé direct de la. Oh, c'est G? Motherfucking G! G! Alright. C'est tellement cool, là! Bravo! My god! Ça a tellement... Bravo à Yuma! Bravo à Yuma, bravo à Mage aussi! C'est très bien... C'est très bien défendu là-dedans! Ouais! Pour de vrai, là! Un bon match!